ראיתי כוכבים שמאירים את העולם, ועם הזמן הם נעלמים. טיפסתי על פסגות ערים בדרך, גם שאלתי בעצה החכמים. לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמרות, והבנתי שיותר מדי זה לפעמים. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il guérit la personne, c'est marqué que Ani Hashem Rofecha, que c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit les malades en intégralité et une seule fois. C'est pas la même chose comme un médecin qui est chair et sang. Et que sa capacité elle est quand même limitée. Sur lui, c'est marqué « verrapé, irrapé ». Que lui, il a besoin de guérir et revenir et guérir. C'est pour ça que nous, on prie « rappez-nous Hachem, venez rappez ». Ça veut dire que quand c'est « ribono shel olam », qu'il soit lui notre guérison. Non, c'est lui qui donne la refoua shlema à tout le monde. C'est pour ça que l'homme doit savoir que tout, mais tout, surtout, il doit prier à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il va t'aimer dans ton chemin déjà des intermédiaires. Mais il faut savoir que la racine de tout ce qui est autour de toi, c'est Kadosh Baruch Hu. Et de lui va venir toute la Yeshua. Mais il faut que l'homme va comprendre ça. Le problème, c'est quoi? C'est que l'homme, il tombe sur l'intermédiaire. Il croit que l'intermédiaire, c'est eux qui fournissent la parnassa ou la guérison ou la solution de quelque chose. Mais si l'homme, il se focalise tout son énergie, tous ses problèmes, il parle qu'avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui donne la solution. Combien de gens, ils parlent avec plusieurs personnes pour avoir une solution. Mais ils n'essayent jamais de parler avec Hachem. Combien de personnes ils vont faire le tour du monde, mais ils ne vont pas faire un tour vers Akadosh Baruch Hu pour parler vraiment avec Hachem. Il faut savoir que la tefila, la prière, les paroles avec Hachem, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il attend chaque jour, chaque minute que l'homme il parle avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut constamment que l'homme s'habitue à parler avec lui. C'est comme si, imaginez-vous, maman, pour l'exemple, que tu veux créer une amitié avec une personne et tu essayes de te donner à fond de toi pour que cette amitié soit émette et vraiment stable et collée. Et chaque fois que tu crois que voilà, j'ai arrivé, ça y est, on a des vraies amitiés, tu vois que quand même, elle se doute, elle te soupçonne, elle ne fait pas confiance à 100%, elle ne te raconte pas tout, elle te dit des choses, mais ce n'est pas 100% confiance. Comment tu vas sentir? Que toi, tu veux donner à fond de toi, mais tu sens que l'autre côté, il n'est pas à fond avec toi. Donc, ça te brise un petit peu, envie d'investir sur ces liens. Donc Akadosh Baruch Hu doit sentir qu'on est à 100%, nos yeux, notre espoir, il est visé qu'à Hachem. Après, on doit comprendre que tout ce qu'il va engendrer de cette fila ou de cette parole ou de cette itbodedut que j'ai fait avec Hachem, ça c'est de lui-même. C'est lui qui va donner la guérison, c'est lui qui va donner la solution que tu as avec ton problème de shalom bayit que tu as avec ton mari ou pour ton zivoug ou pour ton bébé qui n'arrive pas ou ton problème que tu as avec la parnassa. Lui et que lui, donne lui, dans sa main à lui, toutes les solutions. Où l'homme il tombe, qu'il croit qu'il y a une autre force, qu'il y a une autre personne qui peut faire quelque chose pour lui. Et là, ça enlève toute ta capacité. Vous savez, il y a une histoire, une fois que c'était Elisha avec Gehazi, qu'il devait faire revivre le fils de la dame qui est mort,
Alors, Elisha, il lui donnait le maquel, il lui donnait un bâton qu'il a inspiré dans ce bâton une force de faire vivre les morts. Et Elisha, il a donné ça à Gehazi, il lui a dit, va chez la dame et fais vivre sa vie et son fils. Voilà, quand on est tchik-tchak comme ça. Donc Gehazi, il prend ce bâton, mais il ne croyait pas que son maître, vraiment, il n'a pas cru à 100% à son maître. Il a dit quoi, ce bateau va faire vivre un mort. Donc il est marché, il marche, il voit un cadavre d'un chien. Il pose le bateau sur le chien, il lui fait vivre. Et il s'étonne, waouh, le bateau, il a fait vivre le cadavre. Donc il continue, il arrive chez l'enfant, il veut leur faire vivre, il n'y a plus de la force dans le bateau. Donc, de là, c'est quoi l'ignan? De comprendre que Akadosh Baruch Hu te donne des forces, il te donne des capacités. Si tu l'utilises et tu parles et tu sors d'énergie partout, tu n'as plus d'énergie et tu n'as plus d'espoir de mettre la totalité sur Akadosh Baruch Hu. Mais si tu t'habituais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, que c'est que Hachem, que la solution elle est dans sa main. Solution pour tes enfants, pour ton mari, pour les shlombites, pour la parnassa, pour la santé, pour toute chose qu'il peut être. Et c'est un exercice, parce que vous croyez que c'est facile, puis tombe de parler avec Hachem après que tu as l'habitude de rester chez le psychologue, chez les banques, chez la CAF, chez les gens, chez les gens pour les shlombites. Aujourd'hui, il y a des coachs partout. Aujourd'hui, on est devenus tous des robots. Tu n'arrives pas à parler avec ton fils, va chez un psychologue. Tu n'arrives pas à parler avec ton mari, vas-y à un shlombait, un quelqu'un au milieu. Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus en nous, qu'on a une capacité de parler avec Hachem. Que tous les problèmes qu'Hachem nous envoie, c'est qu'on tourne vers lui. Hachmi inina et colère. Fais-moi écouter ta voix. Pourquoi tu fais écouter ta voix aux autres, aux intermédiaires? Fais-moi écouter à moi. Kadosh Baruch Hu veut que toi, tu parles avec lui. Lui, il va te donner la solution. Mais si tu ne crois pas, donc toute l'énergie qu'il y avait, que tu as, tu les sors ailleurs. Ça veut dire qu'il dit à Hachem, Kol Abotéach, c'est là qu'il fait confiance à un autre qui est Hachem. Kadosh Baruch Hu, il laisse dans la main, et tu fais confiance à Shmuel. Il te laisse dans la main de Shmuel. Et Shmuel, maintenant, il s'est levé un petit peu à l'envers. Aujourd'hui, il ne peut pas t'écouter, il ne peut pas t'aider, il ne peut pas te donner. Donc, tu vas rester avec le moral de cette Shmuel. Mais si tu comprends que tout ce qu'Hachem, il attend, que tu parles avec lui, quand tu es bien, quand tu n'es pas bien, quand tu as besoin, quand tu n'as pas besoin, tu t'habitues à parler avec Hachem. C'est quoi l'idbo des doutes? Qui au monde peut savoir ce que tu sens sur le moment? Qui? Personne. Et si tu es toute seule, et si tu n'es pas mariée, tu ne veux pas assez angoisser tes parents, tu ne veux pas que ton mari, des fois, il ne sait pas, tes frères, l'homme est chané. Kadosh Baruch Hu te voit dans tout le temps. Passé, futur, présent. Il sait un instant ce que tu sens. Donc, pourquoi ne pas parler avec lui? Parce que tu ne crois pas qu'il t'écoute. Et première chose, c'est commence à croire que d'abord Hachem, il t'écoute. Il existe, il est là pour toi. Et c'est lui ton guérison de ton nefesh et de ton âme et de ton corps. Donc il faut qu'on s'habitue à parler avec lui. On commence une minute, deux minutes, trois minutes. Après, tu peux rester même des heures à parler avec lui. Vous allez voir, Bezrat Hachem, quand Chachamim nous dit des choses, c'est à Kol Kadosh. Plus tu parles avec Hachem, tu commences à créer un lien qui te ramène à un chibour vedibouk, attachement et adhérent à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le but.